Je viens tardif, bienvenue. A'oudjou billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. L'homme est, reste et demeure sous la protection divine. À la veille. Po, 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 po. Pa, le CNR de Ouyamani. Ah, non, c'est incroyable, mais vrai. Eh, non. C'est-à-dire, peuple de Guinée, ah, on attend le jour que Dieu va nous enlever dans ces conneries de merde-là. On attend ce jour-là. N'oubliez pas, demain, on est en mode turbo. À partir de 7 heures, la photo de Lauriane Doumbouya, on publie ça. On va publier ça. On va publier ça. Vous avez vu, ils sont sortis en conférence de presse aujourd'hui, non? Voilà. Jordan les a envoyés là-bas pour qu'ils partent, voilà. Parce que ils n'ont aucune crédibilité. Est-ce que vous comprenez? Jordan lui-même, il ne peut pas venir face à la presse. C'est facile de le comprendre. Depuis le gars est là, depuis le 5 septembre, le refondeur, il n'a jamais invité la presse locale pour lui poser des questions. Jamais. Il a été seulement avec Alain Foka. Et puis c'est fini. Donc, peuple de Guinée, désolé, j'étais avec des hommes intègres, des hommes de loi, des grands hommes politiques d'Afrique. Voilà, c'est ce qui m'a valu ce retard. Voilà, les avocats du monde et du reste du monde. Voilà, donc on est en train de travailler. Comme vous savez déjà, comme ce que je vous avais dit là. Donc, on est en train de réunir des choses aussi. Donc, les snipers peuvent venir. On les attend. Voilà. Aussi simple que ça. Ils finiront à la haie. Ah, même Afrique, même est petit. Non, le petit. C'est des petits joueurs, les gars, là. Des petits joueurs. Des petits joueurs. Ils n'ont rien à dire. Nous. On est en train de. C'est-à-dire, ils disent qu'on est en train de gaspiller notre énergie. Ils disent qu'on est en train de. Voilà. De vilipender la Guinée. Nous, notre pays, on va vilipender ça. Nous, notre pays, on va salir ça. Hein? Pourquoi? Donc, maintenant, tout ça là, c'est bon, vous pouvez le dire. Mais, nous, on ne demande qu'une seule chose. Libérer nos frères. Ils n'ont rien fait. Vous n'avez rien à les reprocher. Pourquoi les maintenir, les garder? Vous partez arrêter des gens illégalement. Vous les enlevez. Vous les kidnappez. Et vous faites sortir même un communiqué du parquet général qui est sous vos ordres pour que ce monsieur dise à l'opinion nationale et internationale qui ne sait absolument rien de l'enlèvement de nos frères. Vous voulez quoi? Voilà, peuple de Guinée, j'allais passer jour pour jour, un mois pour jour, il y a 2 jours, ça faisait juste un mois que notre général Sadiba Koulibaly a quitté ce monde atrocement et qu'aujourd'hui, il est en paix. Parce qu'il a été arraché à cette vie-là. Ceux qui ont ôté son âme auront des comptes à rendre ici-bas et rendront des comptes devant Allah Jawajal. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Un petit hommage de prière pour lui, son âme repose en paix. Voilà, tous les hommes commettent des fautes. À un moment donné de son histoire, il n'a pas été, on n'est pas tous parfaits. Mais il a servi ce pays, il a servi cette nation. Et le peuple, vaillant patriote que nous sommes, nous devons lui rendre ce dernier hommage de prière. Pensez à lui dans vos prières. C'est très, très important. Maintenant, Sadiba a été tué. C'est devenu l'eau glacée. C'est en train de congeler dans le réfrigérateur. On ne parle plus de ça. Je vous avais dit ici. Pour étouffer l'affaire Sadiba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir les conneries sur Siriki. Est-ce que vous comprenez?
Donc, l'une des premières personnes qui prend ce peuple pour Maboul, je vous ai dit, c'est Amara Kamara. Le gars pense qu'il est plus intelligent et qu'il est plus méritant que quiconque. C'est pourquoi il est en train d'assévir sa vendetta aujourd'hui. Donc, merci de partager le live. On va écouter ça. C'était aujourd'hui tout. Tiens, c'est un Guinéen. Il lui appartient de partir de la Guinée, de revenir de la Guinée comme il veut. Il est parti, c'était son choix de partir. Il reviendra en Guinée quand il choisira de rentrer en Guinée. D'accord ? Et la procédure où est-ce qu'il sera arrêté, ne sera pas arrêté. La justice existe en Guinée, comme l'a dit M. le ministre dans sa communication. La justice s'exerce librement et en toute indépendance. Puisque nous ne sommes pas la justice, nous n'allons pas aborder ce point de votre question là aujourd'hui. Et pour la question qui concerne spécifiquement l'élément supposé arrêté au Sénégal des forces spéciales, je veux que vous me permettez de faire mon information sur le sujet. Et quand j'aurai, je pourrai vous contacter par un des canaux que j'aurai créé effectivement pour vous apporter la bonne information. Mais c'est vous qui me l'apprenez à ça aujourd'hui. Oui. D'une façon, d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les Guinéens peuvent avoir des problèmes partout, que des problèmes soient ici et qu'ils se retrouvent ailleurs et que la justice dans son travail pousse des investigations, se déplace ailleurs ou demande à ce qu'on ramène ici, ou par l'entraide de la coopération judiciaire. Ça, c'est des démarches judiciaires. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Si vous n'êtes, même si vous êtes militaire, si vous faites une action civile, c'est la justice civile qui vous poursuit. Si vous avez fui et que vous êtes militaire, c'est pour autre chose. Ça, c'est la justice militaire. Mais ce type d'informations, franchement, il faut les prendre avec... les relativiser comme ils sont. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans qu'un Guinéen soit rapatrié en Guinée pour des faits de malversation ou présumé comme tel. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est possible. Présumé vol. Voilà, si c'est pour un présumé vol, vraiment, quel que soit celui qui l'a fait, si c'est présumé vol pour que la justice le demande, il faut qu'il ait des éléments quand même bien, que c'est tout à fait naturel. Si c'est vous qui étiez, qu'on avait volé, vous auriez souhaité que votre voleur soit ici pour être jugé. Si c'est moi aussi, donc, mais bon, tout ça c'est de... Merci, monsieur le ministre. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient peut-être eu le... Arrêtez de mettre des injures grossières là, sur la page, s'il vous plaît. Hein? Les injures grossières, que comme je lis là, s'il vous plaît, ne le mettez pas sur la page. Faut pas le faire. Hein? Nous sommes en train de combattre... légalement. Voilà. Faut pas mettre ces... Je demande à celui qui a mis ces commentaires-là de retirer. Merci. Le courrier qui a été échangé entre la CEDEAO et les autorités de la transition par rapport au chronogramme de la transition, je vous demande vivement de chercher à vous en approprier. Si vous n'avez pas, on peut trouver les moyens effectivement de mettre à votre disposition. Mais il faut surtout, quand vous lisez peut-être un livre ou une feuille, ne pas aller prendre une phrase pour reposer l'ensemble du contenu sur la seule phrase que vous voulez comprendre ou bien expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. C'est quand même bien de pouvoir s'en approprier. Et la date du 31 décembre 2024 est effectivement mentionnée dans ce courrier-là. Mais la phrase qui... avant d'annoncer cette date, c'est dit avec la CEDEAO dans un compromis dynamique. Cette phrase-là n'intéresse personne. Ça voudrait dire qu'à chaque étape, à chaque phase, avec la CEDEAO, on va s'asseoir pour faire des réévaluations, pour réajuster le curseur. Mais cette phrase n'intéresse personne. Et des préalables pour passer également jusqu'à arriver à cette date-là sont également dans le même courrier. Mais ça n'intéresse personne. Il y a quelqu'un qui a vu une date du 31 décembre. Et puis voilà, elle dit, bon, il faut que ça soit le 31 décembre. Mais en même temps, il va falloir peut-être que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'une élection, c'est dans la paix, la quiétude et de la concorde. Écoutez ici. Et moi, j'ai été en opération au Nord Mali. Ce pays-là, un gouvernement existe. Le pays était gouverné, d'accord. Mais pour des questions d'insécurité à une partie du territoire, les élections n'ont chaque fois pas pu être organisées comme ça se devait. La paix et la quiétude également font partie des éléments sur lesquels
la tenue normale d'une élection peut se faire. Et nous, on va concourir à ce que cette paix et cette quiétude-là soient garanties pour que le processus, que la transition vue aujourd'hui ne soit pas interrompue, pour qu'on ait très rapidement une constitution à partir du référendum, également que le RAVEC nous donne un fichier électoral propre et que ce fichier électoral nous permette d'aller à des élections de la base vers le sommet. Merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Que Dieu nous enlève dans la main du CNRD là. Waouh. Waouh. Amara prend un exemple sur le Mali. C'est-à-dire, Jordan envoie ses armes fatales, son ministre porte-parole et son ministre secrétaire général à la présidence. Il dit, allez-y, foncez, c'est vous, mes armes fatales, allez-y, ripostez. Qui vous a demandé de fermer les médias? Qui vous a demandé de fermer les médias? Au moins les médias, quelquefois, il y avait vos petits taupes dans ces médias-là. Vos petits taupes dans ces médias-là. Est-ce que vous comprenez? Vos petits taupes-là, comme un média que je vais publier ici aujourd'hui, site d'information, je vais publier. Je vais demander aux Guinéens de faire attention à ce site d'information. Bon, je n'ai pas... Où est mon téléphone? Au moins, les hommes de médias, là, vos petits taupes qui étaient là-bas, faisaient quelquefois vos petits atalakou. Eux, au moins, quelquefois, ils faisaient vos petits atalakou. Ça vous permettait de vous en sortir un peu. Ça permettait de calmer le jeu. Donc, c'était vice-versa. Vous donnez un peu, eux aussi, ils temporisent, et puis voilà, ça va, ni vu, ni connu, chacun fait son business. C'était ça le business. Et aujourd'hui, malgré que beaucoup parmi eux ont résisté à rester journalistes, à ne pas trop basculer sur votre côté, vous n'avez pas aimé, vous avez décidé de fermer les médias. C'est ce qu'Amara dit. Voici ce qu'Amara dit. C'est l'État qui a donné les agréments aux médias. Je vais faire monter ici. Hein? Voici ce qu'Amara dit. Ses propos sortent, oui, de la bouche d'un ministre secrétaire général à la présidence. Je fais monter en haut pour que vous puissiez lire là à côté. Je viens ici. C'est l'État qui a donné les agréments aux médias. L'État a repris les agréments. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, comme ils n'acceptent pas de faire notre affaire, on a retiré leur argument. Aussi simple que ça. Parce qu'au départ de cette transition, jamais Jordan, ce qu'il cherchait, faire asseoir son pouvoir, il avait besoin de ces hommes de médias-là. Qui n'a pas vu ici la synergie? L'an 1 du CNRD, Amara est parti à Espace, ils ont fait une grande synergie où tous les grands hommes de médias étaient là, posaient questions, il était à l'aise, tout allait bien. Tout était calme, tranquille. Qui n'a pas vu ça? Là, les agréments étaient en grande forme. Ça, on pouvait même donner 10 000 agréments en ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, comme les journalistes, hommes de médias, ont décidé de rester journalistes, on retire les médias. Maintenant, Amara nous trouve comme argument, comme quoi que, vous savez, on organise les élections... Parce que voilà, dans une quiétude sociale de paix, j'ai fait ma ligne, voilà. Ah! Il y a quelle instabilité en Guinée? Quelle est cette instabilité qui existe aujourd'hui en Guinée qui empêche que les élections puissent se tenir?
wo yagi wo ya mai wo yagi wo gahu ala yara. Sachez une seule chose, hein? Aujourd'hui c'est Dieu qui vous a donné les postes là. Et demain, le même Dieu va vous retirer ces postes-là. Et quand un homme, aujourd'hui, est dans quelque chose, la plus grande fierté pour toi, homme, ministre tout-puissant, c'est ton futur. Parce que tu ne resteras pas éternellement ministre. Même quand vous, ce que vous prévenez de faire là, 100 ans au pouvoir, même quand vous le faites au pouvoir, vous ne resterez pas éternellement, vous allez partir. Mais derrière là, ce qui est sûr, Inch'Allah, les gens retiendront quelque chose. Donc, n'oubliez pas de continuer à acheter mes bracelets, les Aitel Kursi, cela, ça existe. Tout le CNRD, c'est que le mensonge. Il y a un fait drôle qui s'est passé aujourd'hui, que je vais envoyer ça. Voilà. Le site d'information, à vous méfier, c'est le site d'information Vision Guinée Info. Il faut vous méfier de ce site d'information. Il roule pour le CNRD. Le site d'information Vision Guinée Info, il roule pour le CNRD. Il faut beaucoup vous méfier de ce site d'information-là. Attendez, je vais vous mettre quelque chose ici, hein. Je vais juste la partager ici. Ça concerne Commando Faré. C'est le même site d'information. Vous savez, il y a des sites d'information. Il y a des journalistes qui travaillent comme service de renseignement pour le CNRD. Il y a des journalistes qui travaillent comme service de renseignement pour le CNRD. Au fait, vous allez les contacter pour essayer de leur donner des infos. Qui a fait la propagande pour la DIRPA, le ministère de la Défense? C'est la deuxième fois qu'on remarque cela. Mais à plusieurs étapes, ils sont des taupes du CNRD. Est-ce que vous comprenez? Ceci dit quoi? Vous ne verrez jamais ce site-là, en tout cas aujourd'hui, dénoncer les points cumulants qui feront mal au CNRD. Allez-y, sillonnez leur site. Allez-y, regardez. Vous ne verrez pas. Et tout ça, Doronegui, l'administrateur de ce site-là. Il n'a pas de problème. Mais, Halatin, Inch'Allah, Wa Koloma, Wa Toma, Inch'Allah. C'est ce site-là qui a publié la propagande de la DIRPA quand j'avais dit que les militaires français étaient en train de former, ils étaient en train de faire une base vers le nord. C'est le site là aussi qui a fait cette propagande-là. Maintenant, depuis hier, ou plusieurs jours, il y a des informations qui circulent sur Abdoulaye Keïta, commando Faré. Ces informations comme quoi qu'il aurait obtenu sa demande d'asile en France. Est-ce que vous comprenez? Les informations-là ont été beaucoup publiées, relayées. Maintenant, pour calmer le jeu, parce que Abdoulaye Keïta, c'est quelqu'un de très important dans l'armée guinéenne. C'est l'ancien chef du Bata. Bata aujourd'hui qui a été dissous, où ils sont en train d'éliminer les éléments du Bata. Donc, si l'info la passe, ça n'arrange pas le CNRD. Clic, Idi Amin fait appel à ses médias de propagande pour faire sortir cette photo. Le général de brigade Abdoulaye Keïta, inspecteur général des forces armées, a reçu le mardi 23 juillet 2024 son diplôme de formation en Chine. Il fait partie de la 47e promotion francophone du cours d'études de défense et de stratégie à l'Université de défense de Chine, UDC. Moi, sur le cas d'Abdoulaye Keïta, je ne me suis jamais prononcé dessus. Mais les questions qu'on va se poser,
C'est eux qui ont fait sortir ça à travers leurs médias de propagande de taupe. 23, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes 24. Si le général de brigade Abdoulaye Keïta a fini ce qu'il est parti faire en Chine, on veut le voir au pays. On veut qu'il rentre au pays. Maintenant, à partir de là, on va en déduire que ceux qui disent qu'il a fait demande d'asile en France et qu'il a même obtenu sa demande d'asile en France, on saura que ceux-là sont en train de mentir. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces publications sont des photos où le peuple, on ne connaît pas, ça s'est passé quand. Donc, comme la Guinée, c'est un pays où on est champion d'antidater les choses, je le dis comme ça, ça peut être des photos qui ont été prises il y a 6 mois, qui ont été prises il y a 1 an, qui ont été prises il y a 10 ans, c'est des dires. Mais la seule et unique chose qui peut éclaircir ça pour le peuple, voilà, parce qu'il y a plus de hauts gradés militaires qui sortent pour aller faire des formations. Mais est-ce qu'on voit leurs publications? Est-ce que la DIRPA publie ça? Il y a combien de militaires aujourd'hui, officiers de l'armée guinéenne, qui sont en formation ailleurs? Est-ce que vous avez une fois vu ici Spartacus? Il a passé combien de mois, dire même années, hein? Combien de temps en formation en Chine? On a dit en Europe, en France. Est-ce que vous avez vu, ils ont publié ça? Est-ce que la DIRPA a publié que la formation que Spartacus était parti faire là-bas, voilà, il a obtenu ses diplômes, patati. Vous pensez que vous êtes intelligent, hein? Un vieillard animé de trucs d'antiquité dans sa tête, là, pense qu'il peut manipuler un peuple, hein? Nous, nouvelle génération qui maîtrisons tout plus que vous, là, hein? Pensez que vous pouvez nous manipuler, hein? Qui voit publication d'autres militaires ici pour dire qu'ils ont obtenu leur diplôme? Donc, la DIRPA maintenant va publier tous les militaires qui vont aller faire formation pour informer le peuple que ces militaires-là ont obtenu leur diplôme. Tellement que les gars ont peur, tellement que les gars, ils ne veulent absolument pas que, même si c'est un petit virgule, ils ne veulent pas laisser tomber. C'est vous qui avez fermé les médias. Et en fermant les médias, vous avez oublié que c'est aux activistes, lanceurs d'alerte, blogueurs, c'est à eux que vous donnez la force. Parce que le peuple aujourd'hui n'a nulle part où s'informer. Même si on vient parler ici 1 heure, 2 heures, on n'a rien à dire. Les gens vont s'asseoir au moins pour au moins capter 1 ou 2 choses d'informations que eux aussi vont mettre sur leur oreille, dormir avec. C'est ça la vérité. Quand il y avait les hommes de médias ici, quand les médias parlaient à gogo, mais tellement que vous êtes animés d'esprit d'antiquité, de vous éterniser au pouvoir, vous dites, bon, si on ne ferme pas les médias là, on ne peut pas sauter le 31 décembre 2024, hein, il faut fermer les médias. Mais tout en oubliant qu'en fermant les médias, c'est de renforcer les blogueurs. Et les blogueurs aujourd'hui règnent en maître. On règne en maître. Donc, à vous le choix. On demande la libération de nos frères, l'ouverture des médias, malgré que, voilà, il y a certains parmi eux, moi en tout cas, on ne conjugue pas les mêmes verbes, mais on est tous des Guinéens. Ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui me peinent parce que beaucoup parmi eux ont des bouches à nourrir. Ce sont des pères de famille qui doivent payer des loyers. Ils sont en train de souffrir. Mais comme Jordan a dit au palais, il y a 2 jours, 3 jours comme ça, que voilà, pour rien au monde, il va réouvrir les médias. Il a dit, hein, pour rien au monde, que les médias ne vont pas être, voilà,
il ne va pas appuyer sur le bouton pour que les médias soient activés à nouveau. Voilà. Comme sur les cas de nos frères, voilà, il y a deux hypothèses. La première, on ne les a pas vus, ils sont présumés morts. On ne les a pas vus, ils sont présumés morts. On ne les a pas vus. La deuxième hypothèse, ils les ont torturés. Ils sont dans un sale état. Jordan les a amenés. Il est en train de les soigner, en train de les amadouer, en train de manger avec eux, en train de faire ceci, patati, patata, pour que, voilà, voilà, ils puissent être dans son esprit, comme il aime le dire. Parce que si tu critiques le CNRD, au palais, on te traite. Oh, oh, pourquoi tu écoutes l'ennemi là? Tu sais qu'il n'est pas dans notre esprit? Ouais, toi aussi, tu veux faire partie de lui. C'est comme ça au palais. Donc, peuple de Guinée, nous sommes dans cette po, ouyamaï. Sans aucune gêne, sans aucune. Voilà. Sans aucune pensée, même que ce sont des pères de famille, quoi. Parce que même les enfants, par exemple, nos propres enfants, ils suivent les actualités. Si, voilà, on dit. Si un Ousmane Gawal dit ça aujourd'hui, hein, que la justice... Depuis quelques jours, notre pays fait l'objet d'une campagne de discrédit sauvage et qui est de nature à diaboliser le processus de transition en cours. À entendre les promoteurs de cela, on pourrait croire que notre pays est à feu et à sang, alors que rien n'en est. Vous êtes ici, des journalistes, des observateurs. Vous connaissez la réalité que vous vivez quotidiennement dans notre pays. C'est à la fois quelque chose de dommageable et de regrettable. Tout porte à croire qu'il n'y a pas d'autre sujet de débat dans notre pays. Il n'y a qu'une simple volonté, celle de peindre en noir la marche glorieuse de notre patrie à la recherche du bien-être pour tous. Il est évident que les réformes actuelles, structurelles et transformationnelles dans notre pays font peur à ceux qui ont choisi la crise comme business. Ils sont les mêmes chaque année. La paix et la quiétude coupent à beaucoup leur gagne-pain. Ils sont dans le pays en dehors. Il y en a qui sont des Guinéens et d'autres qui ne le sont pas. En tout état de lieu, le gouvernement s'emploie et s'emploiera à garantir le bien-être et le vivre ensemble pour toutes les filles et tous les fils de Guinée. La propagande et les propos irrévérencieux, quel que soit l'auteur et l'origine, ne viendront pas dérouter la transition de ces trois objectifs majeurs. Le social, cela a été rappelé, pour rétablir le vivre ensemble dans notre pays, l'économique, pour amorcer le processus de développement durable afin d'assurer le bien-être pour tous. La politique, enfin, pour bâtir un état de droit à travers la mise en place d'institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. Pendant ce temps, des grands projets structurants sortent de terre partout dans notre pays. Vous le vivez quotidiennement. Le vivre ensemble s'améliore et se consolide de jour en jour. Le chronogramme de la transition suit son cours normal. L'économie se stabilise. Ces points énumérés sont les engagements du CNRD et du gouvernement vis-à-vis du peuple de Guinée. Tout cela fait peur à certains en fonction de leurs intérêts et de leurs orientations. Le CNRD tient sa légitimité de l'adhésion du peuple à sa vision et aussi de la feuille de route qui a été tracée par toutes les couches socio-professionnelles à travers les journées de concertation qui ont été organisées aux premières heures de cette transition et qui se sont poursuivies. En Guinée, il existe aujourd'hui le cadre de concertation et un cadre de dialogue. Tous ces instruments visent à favoriser le vivre ensemble. Malheureusement, il y a ceux qui pensent
qu'il n'existe que leur plan et leur temps. Il y a aussi ceux qui estiment qu'ils détiennent des formules magiques pour faire exploser ce pays. Ils sont connus. Ils n'aiment que leur tête et ne pensent qu'à leur poche. Ces gens se victimisent depuis le début de cette rectification institutionnelle avec une vision et des objectifs très clairs sous la clairvoyance du chef de l'État, président de la République, son Excellence, le général... C'est bon. C'est trop, quoi. C'est trop. Voilà. Quand on pense au combat que cet homme-là a mené pour la Guinée. Quand on pense tous les sorties de ce monsieur-là aujourd'hui, on se dit qu'on s'est vraiment fait avoir. Si c'est lui que beaucoup de jeunes Guinéens ont vu comme idole, on s'est vraiment fait avoir, Ousmane Gawal. Je ne sais pas s'il prend le temps d'écouter ses anciens sorties. Parce que, aurait été moi, au lieu de me ridiculiser de la sorte, parce qu'il est en train de se ridiculiser, au lieu de me ridiculiser de la sorte à cause d'un poste, j'allais jamais, accepter ça. La mort était mieux. En bon zouzou, Farah Fissa Guibé. La mort était mieux. La mort, Farah Fissa Guibé. Mais on va s'asseoir, on observe une seule chose. Après le CNRD, des gens qui vont venir encore nous parler ici que oh, Ousmane Gawal, non, il était en train de faire ceci, il roulait tant, patati, patata. C'est là qu'on va vous remettre à votre place. Parce qu'on sait que vous êtes facile à amadouer. On sait, vous êtes très facile à amadouer. Aujourd'hui, on peut vous égorger. Demain, on vient vous dire que non. Ce n'est pas toi qu'on a égorgé, on a égorgé un poulet. Donc on va aller ensemble. Tu dis encore, oui, ok, on va aller. J'attends, moi en tout cas, j'attends ce jour-là. Inch'Allah. Peuple de Guinée, on se retrouve demain, Inch'Allah. N'oubliez pas de faire les commandes des États-Unis, c'est parti. De l'Europe, c'est parti. De la Guinée, c'est parti. NB, Nota Bene. La vente est interdite aux résidents sénégalais. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est spécialement pour nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés. Voilà. Il y a cadeau du Tchouraï, cadeau du tableau Ayat al-Kursi. On continue à se protéger. Je vais même offrir Ayat al-Kursi là. Mais ça ne rentre pas là-bas. Il y a trop de gris-gris là-bas. Sinon, j'allais envoyer Ayat al-Kursi comme courrier à mon médecin. J'allais envoyer à Ayat al-Kursi là, ça là, j'allais envoyer comme courrier à Jordan là-bas. Je dis, Jordan, il faut mettre ça là-bas. Mais ça ne peut pas rentrer. Si au moins ça rentre là-bas, il veut vous faire sortir tous les gris-gris, les fétiches là-bas. Mais hey, c'est tout de suite que vous préférez, c'est pas attendre Dieu. Donc, on n'est pas sur le même longueur d'onde, sur le même chemin. Wallahi. Ah, en tout cas, moi j'ai fini de parler. Moi j'attends, Inch'Allah, qu'Allah nous donne santé, longévité, prospérité. J'attends après transition ici. Je ne dis rien. C'est pourquoi je ne communique pas sur Ousmane Gawal. Parce que je ne veux pas gaspiller mon énergie. J'ai dit que je ne communique pas sur Ousmane Gawal. Je ne communique pas sur... Même si Ousmane Gawal aujourd'hui, il prend missile, il tire sur l'UFDG. Je ne communique pas. J'attends le moment de communiquer sur ça. À très vite.